toi. On va jouer ensemble en famille au Uno. Mon nom est Jacinthe Boulet. On est à Saint-Georges-de-Beauce, donc dans ma demeure, dans ma cuisine. Et puis avec moi à la maison, bien, j'ai trois enfants, dont Audrey-Anne. Ensuite, j'ai Ellie, qui a 16 ans. Puis j'ai mon dernier, qui est Bastien, qui a 11 ans. Maman, passe ton tour. Okay. C'est ta papa. Moi, je suis malvoyante. J'ai une rétinite pigmentaire, mais au niveau du champ visuel, je n'en ai plus, donc je vois central seulement. J'ai ma fille à côté de moi, Audrey-Anne Dolbecq, qui a 22 ans. On a diagnostiqué une déficience intellectuelle moyenne, donc un trouble d'envahissement du développement. Elle a une dysphasie sévère puis une dyspraxie musculaire de la bouche. Bon, Audrey-Anne, tu vas mettre la table. À partir de 5 ans jusqu'à environ 14 ans, elle a eu des services en orthophonie. C'est de même que le langage a débloqué. Et on constatait qu'Audrey-Anne, elle avait une grande force au niveau visuel. Donc, elle remarque tout ce qui est dans une pièce, puis elle le mémorise, puis elle s'en rappelle. Donc, Audrey-Anne, à la maison, je peux vraiment dire que c'est mon aidante parce qu'elle voit. Puis en plus de ça aussi, bien, elle mémorise. Donc, j'ai pas besoin de lui répéter à chaque fois ce qui est à faire ou bien ce que je sens comme besoin que... j'ai à la maison comme quelque chose qui tombe par terre, puis il roule, puis je le vois pas. Elle déduit qu'elle doit le ramasser, puis me le donner. Donc, on va sortir nos bas. Audrey-Anne est capable de voir les taches sur les vêtements. Alors, quand on range le linge, je me fie beaucoup sur elle pour les couleurs des bas agencées ensemble, parce que moi, je distingue plus le bleu, le noir, l'orange et le rose. Fait qu'Audrey-Anne, c'est comme mes yeux à ce niveau. Avec lui, c'est une scène de couleurs, lui. Dans mon implication communautaire, le bénévole que je fais, parfois j'ai à faire des résumés de nos rencontres, fait que j'écris ça à l'ordinateur, puis Audrey-Anne est capable de repérer les mots qui sont en rouge, que moi je ne verrai pas. Fait que là, à ce moment-là, je corrige ce qu'elle me pointe. Fait qu'Audrey-Anne, on va aller à la poste. J'aime pas ça. Je vais aller prendre une marche. Je vais être portée à prendre son bras, même si on est à l'extérieur, parce que s'il n'y a pas de trottoir ou qu'il n'y a pas de ligne très marquante par terre, bon, ben, ça va être mon guide assisté. On a une relation très proche, très privilégiée.